Alors, je m'apprête à faire une petite randonnée sur le Mont Larcher. J'ai décidé aujourd'hui de faire. C'est magnifique, franchement. Magnifique. Bon, il faut regarder un petit peu par terre. Et c'est parti, let's go. Waouh, il y a des abeilles ici. Wow. Je suis trop contente. Donc là, on est dimanche matin. Il est 6h17. J'ai bien commencé. Voilà. La fille, elle a roulé. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis un petit peu fatiguée. Voilà, bon, ce matin, le réveil a été dur, 4h30 du matin pour faire la marche.
donc je suis partie faire le mont Larché, voilà. Et là, il est 14h43, donc je m'apprête à aller à l'hôtel. Voilà, je vous ferai une petite vidéo de la présentation, tout ça. Là, je pars tranquillement, doucement, voilà. Un peu stressée, bizarrement. Fait bizarre, mais voilà quoi. C'est vraiment, vraiment ma première fois que je vais faire ça vraiment en solo. Mais je me suis dit, franchement, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Donc, la fille a mis un petit crop top que je vous ai présenté dans le hall. Et un petit short, voilà. Je suis allée au plus simple. Ma coiffure est déjà en train de partir. Donc, ça veut dire que demain, automatiquement, demain, je retire le tout. Voilà, bon. Bisous, bisous et j'y vais. Bon, je suis arrivée. Il est 14h56. J'ai roulé tranquillement, respectant bien la limitation. Et donc là, j'ai garé la voiture. Je vais à la réception et voilà. Je vous tiens au courant. Je vous montre tout, 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 tout. Alors, ta fille est arrivée. J'ai un peu trimé pour trouver la chambre. Mais je suis arrivée. Il fait frais. Je vais poser la chambre là. Petit panier. Voilà. Alors, ça c'est pour ce budget. On a un petit peu de lumière. Ok, d'accord. Ah. Bon, je vous fais la petite visite, vite fait, la fille est là. J'ai chaud. Donc voilà, c'est la petite chambre. On dit, Zamandji, son cou. Il y a un miroir. Voilà. Ça c'est quoi? Il y a un rideau. Alors, il y a une petite terrasse. Où je pourrais faire mes photos et blablabla. Je vais ouvrir un petit peu. Alors ça c'est la chambre. Une petite déco normale. Donc c'est simple, c'est petit et simple. Voilà. Et la salle de bain, c'est cosy, c'est tout petit. Oh, what is the light? Light. Ah. Ouais. Alors voici la douche. Oui, voici la douche. Voilà. Ainsi que le lavabo. Avec me voici. Voilà. Donc comme ça vous avez vu un petit peu où ça ressemble. C'est petit, c'est cosy, c'est intéressant. Il y a une porte, c'est fermé. Ok, d'accord. C'est petit et c'est cosy. Voilà. Alors là vous avez une armoire. Si par exemple vous voulez mettre vos affaires. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc, je vais me poser un petit peu. Et je vous dis tout dans quelques minutes. Alors, je suis bien arrivée. Là, c'est la récap de l'endroit, de l'hôtel, l'accueil. Alors, l'accueil super top. Il y avait eu juste un petit couac. Parce que comme il faut un pass sanitaire...
Ouais, il faut le pass sanitaire et moi je l'avais pas, donc j'avais pris à emporter. Elle m'a dit c'était bon, c'était ok et tout. Donc ce soir à 19h, j'irai chercher mon repas du soir. J'ai pris le repas du soir et le petit déjeuner demain matin. Donc tout est à emporter. Voilà pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc je trouve que ça déjà c'est top. Au moins on peut quand même profiter un petit peu du séjour sans pour autant être dans les obligations de ce que vous savez. Voilà. Donc tout est bon, tout est réglé. J'ai mon petit bracelet, j'ai ma carte. J'ai vu les règlements par rapport à la piscine, donc je ne sais pas, j'irai voir un petit peu, j'irai faire un petit tour quand même pour voir ce qu'il en est de la piscine. Ben, au début je voulais aller à la piscine, mais finalement je pense que j'irai à la mer, tout simplement. Donc je pense que j'irai à la mer, sachant que le soleil tombe vite. Ouais, sachant que le soleil tombe vite, donc je vais aller me préparer, mettre mon maillot de bain et aller à la mer. Voilà. Franchement, c'est top. C'est agréable, c'est petit, c'est cosy. Pour quelqu'un qui est toute seule comme moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui est toute seule. Après, si vous êtes à deux et puis bon, juste profiter de... un petit week-end à deux et tout, je pense que ça peut convenir, etc. Voilà, ce n'est pas le grand luxe, mais dans la simplicité, des fois il y a du bon. Voilà, donc je vais me préparer et je vais aller à la mer, parce que la mer, il y a plusieurs plages là dans les environs. Ça, c'est top. Quand vous allez à Caribéa, vous avez la piscine, mais vous avez la mer et vous avez le choix dans la mer. Voilà, et il y a une mer que j'aime beaucoup que je vais y aller. Voilà. Je vous fais une petite vidéo, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Mon petit week-end là, je vais vous montrer vraiment comment prendre soin de soi-même.